Et ouais, genre, salle de sport, ça se passe bien. LOL, ça se passe trop bien, le training et tout, c'est trop trop cool. Bienvenue dans la faille de la Niveau bouffe, on se fait bien plaise. On mange un peu trop gras, mais on mange des trucs de... Au moins, c'est beaucoup moins commandé qu'auparavant. Et déjà un step up. On cuisine plus. 30 secondes avant l'apparition de Et l'ennemi. Maintenant, il me manque juste, ouais, un peu de lecture, quoi, ce serait bien. Combien de kilos par bras? 4, monsieur! Mais je pense que la prochaine fois, la semaine prochaine, on fait 6, quoi. Ça rigole plus, là. Je pense que je peux faire 6, en vrai. Le 4 commençait à passer correctement hier. Pourquoi t'es un grand fan de la rune conditionnement? Je sais pas. 200 HP en late game. Des sbires sont apparus. Non, les figurines, ça avance pas du tout, par contre. Ah, mais j'ai des bons bouquins à lire, mais juste, je prends pas le temps pour l'instant. C'est pas conditionnement les HP. Ah merde! Oui, c'est sans croissance. Ah, ça, je l'aime bien parce que ça te donne armor RM. Les stats! Non, non, les livres, j'en ai des. Vous inquiétez pas, j'ai plus de 3000 pages à lire. Ce qui manque, c'est. Ouais, le petit timing motivation, je pense. Tu vois, vers 21 h, de me poser et de bouquiner serait parfait, genre. Ouais, des romans. Là, j'ai tout l'Assassin Royal que j'ai envie de relire et à chaque fois je me prends pas, je ne prends pas le temps pour. Les fanfictions traitons Robalas, c'est cool, mais bon, c'est pas assez, il y a pas assez de pages. Mais il a tapé de manière assez énervée les sbires à l'arrière. Et en plus, il a reculé sur un timing où. Oh, il a fait pas mal de boulettes qui m'ont mis bien. Très appréciable ce Jax pour l'instant. On prend le quand même. Je vais surtout le farm. Hein. Mon but est pas vraiment de gagner ma lane là. Je me concentre surtout sur CS et peut-être mon jungle qui essaie de faire des décals au top un peu plus tard dans la game. Merde, c'est un peu dommage. J'ai un peu raté le. On est bien en forme. Il a l'air de faire un timing back. Ok. Pour moi ça. Dommage. Un CS. Ça a changé Deep Purple. Un peu ouais. Ok, Lee Sin top. D'après les infos, du moins. Donc là, bien sûr, il a envie que je jump, sinon il est mort. Oui, c'est pas un Lee Sin, c'est un Viego. Ok, attention. C'est bien qu'il ait ping, mais après, bon, le Jax était trop obvious dans tous les cas. Il y avait peu de chance quand même que. Que ce soit une action où j'aurai all-in. Oh, j'ai cru que j'allais pas l'avoir.
vraiment un énorme push ça. Et téléport. Je me suis fait un poil peur, je vais pas mentir. Je me dis s'il me flash, oh je peux flash out, mais bon, c'est quand même pas fou. Je me suis fait un petit peu peur. Ouais, c'était un peu limite. Je pense qu'il pouvait me mettre une sale baffe là. On se débrouille bien au top hein. La rush direct de la mort, le Jax. Ouais, j'ai toujours des moments où je joue de manière très très limite quand même, je trouve. Il y a des choses un peu trop audacieuses que je fais des fois. Ça fait un mois que je me suis mis vraiment à la salle. Objectif, c'est de me sentir à l'aise dans mon corps, juste d'être bien quoi. Genre préféré, oh, c'est dur. Ah, je suis Cocorico, c'est Cabo que je kiffe le plus pour le personnage en plus. Il est trop drôle. À suivre, c'est trop bien, tu vois. J'étais déjà moyen fan de l'idée de... Mais gentil de pas mettre le E, mais... Je ping pour que mon jungle regarde ça, mais bon... Mort. Putain, je suis trop bête. Je pensais pas que son E allait durer aussi longtemps. Sinon en vrai c'était pas mal hein, mais non, j'ai des coachs là-bas. Oh, Lee Sin, tu peux... Non, il peut rien faire. Fuck. J'ai cru qu'il allait le gank instant, mais du coup il l'a pas fait. Oh, par contre il grid le Jax. Ah non, j'ai cru qu'il gridait. Il est en train de faire un back random, non? Non plus. Oh, j'ai de la chance, j'ai un coach. Nice, il va faire perdre la plaque. Ça, c'est très intelligent. Bon. C'est un peu décevant que ce soit moi qui merde mon trade. Alors qu'on était bien sinon. On avait même un CS in advantage, on avait mis du bon poke. Décevant. Ouais, le Lee Sin dort clairement dans la game, mais c'est pas sa faute si moi j'ai perdu le 1v1. On avait clairement l'avantage sur le topside et c'est moi qui ruine l'action. Après, c'est clairement pas le meilleur Jax d'Europe, mais reste Jax. Ah, il est pas rentré dans le bait dégueulasse que j'ai voulu faire. Vraiment fait ça. Il doit me détester le Lee Sin de devoir claquer son kick. Son kick là-dessus. On a la bot diff. Mais la wave est dégueulasse. Voilà. Que faire en fait? C'est quand même quand même audacieux là. Ok, ça c'est nice.
C'est audacieux de la part du Fizz. Je vais juste faire un petit truc, les gars, pour que ma team se débrouille mieux. On va juste cacher la map. Il y a des petits trucs, des fois, qui sont bizarres. Là, ça va, elle avait la ward. Hein. Il n'y avait pas de... C'était pas suspect, mais... Ah, le problème, c'est que ouais, on va commencer à avoir un gros out farm, gros out XP. Hein. Genre, j'ai déjà un level entier de retard, mais... Je ne vois pas comment... Comment une freeze cette... ce top side, là, actuellement. Les stats sont pas bonnes, Kevin. Putain, sérieusement? Oh, mais t'as un Ignite! Oh non, t'es un troller. Le fils a quelques peu troll, tout de même. Jack, c'est surtout un gros counter de... De Camille. Enfin, un bon counter. Oh, la ville Ignite. Putain. Ouais, il freeze depuis 20 ans, mais... Je vois pas quoi faire, genre. Après, là, le move mid, il doit passer, mais le Fizz, il a pas appuyé sur la touche, quoi. La Kali, elle smurf la mid lane trop salement, et le problème, c'est que le top, il est en freeze perpétuel. Après, là, ça va. Je pense que j'ai un petit timing, quand même, où il a pas buy depuis longtemps. Et Lee Sin pouvait pas venir pour m'aider à une push, quoi. Allez, on va voir. Il a 2 level advantage. Mais ça dégoûte un poil quand même que... Que le move mid passe pas. Mais j'avais pas vu les 40 000 CS advantage. Ouais, bah, le freeze continue. Ok, là le freeze s'arrête, mais est-ce que je me fais... Ouais, on va peut-être vouloir créer un dive. Ok. Après le Jax a pris sa part aussi. Ouais, c'est pas mal en vrai pour Brain. Alors, il y a la Kali qui... Oh, mais ma game, c'est un cauchemar, frère. Ah, la mid-diff, elle est étrange. Elle met mal à l'aise, la mid-diff. Il fait quoi Lee Sin? Non, Lee Sin a très bien joué. Hein. Le 2v2, on l'avait largement. C'est juste que notre mid lane est vraiment nul à chier, quoi. Vas-y, Fenrir. Quand on a une bonne bot lane, mais... Ça va être dur. Hein. Ouais, il faut believe le frappidif. Mais il m'a un peu dégoûté, le mid laner. Je suis en 1-3 et vraiment, je pense que le 1-1 était largement, largement ok dans cette game normalement. On n'aurait pas dû être dans un scénario de la sorte. Vu que la Kali avait disrespect sur la mid lane, mais elle a tellement ouvert le mid que c'est chaud. Et Jack, c'est 11, non? Pas encore, mais bientôt. Attends, mais je fais n'importe quoi, c'est un profondeur cette game par contre. Hein. À faire Trinité. Pas l'habitude de jouer Gnar, moi. Hey. Bon, la longue sorte servira, mais c'est pas un drame. Et ils sont tous top. Aïe aïe aïe. Ouais, mais la Akali, elle smurf. Ouais, faut que Lee Sin joue que avec eux, quoi, maintenant. Oh, le midlaner qui veut FF après avoir... peu appréciable le gamin quand même.
C'est sympa. Le Jax prenne, c'est limite mieux que la Akali dans tous les cas. Ah, plus de Flash Ignite. La grosse wave bot. C'est tellement loin mon stuff. Eh mais qu'est-ce que je pense de Camille? C'est bien. Oh. Ah ouais, Medicine, tu ping on my way, mais tu bouges vraiment très peu, hein. Et encore une fois, tu devrais pas être bot là, hein. Je trouve que Lissine, il est lent, genre. What, le sbire canoïs? Hein? What? Mes yeux. What the fuck, je suis bodyblock. You throw all your lead. Ouais, mais Lissine, tu ne joues pas, genre. Bon, reculé d'un millimètre. C'est dommage que la midlane soit autant dans la merde, mais... Le Jax aime bien freeze. Faut peut-être faire des trucs par rapport à ça. Si j'arrive à ulti à Akali, il y a un monde où ça passe. Ok, appuie son chrono. Nice. Bien ça. Parfait, let's go. Ouh, ça joue au jeu vidéo. C'est bien. Faut juste qu'on arrive à gérer cette Akali et tout le reste est naze. 0-10 la bot lane. What the fuck is this? Ah, le 1000 gold il met bien. Hein. Heureusement qu'il y a eu les 1000 gold sur ma tronche. Ça rassure un peu dans la game. Ok, on se casse. J'ai du stuff. Ah, la Nami, elle a mis des bubbles. Oh, piche. Ah, super bien joué, la Nami. Oh, du stuff. On va faire ça plus que la danse de la mort, hein. Pour l'instant... Oh la vache, il est parti à l'autre bout du monde. Ok, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je vais avoir la haine contre la Akali à chaque move. Hein. Je vais la R en perma. Hein. Il est en carnage le Fizz. Putain, le meilleur joueur de notre équipe by far, je le savais. Il y a juste un Gridou sur la map. Nice. Ah, le Jax. Franchement, le Jax, c'était pas... Juste ma mort trop bête. Mais sinon, en vrai... Il est très fine à affronter, le Jax. On peut la win, celle-là. 18-11, on a Frappy qui est monstrueux. Et Lucian Nami, on sait que c'est, genre... De la belle bête. Je sais même pas s'il devrait pas faire, genre, de la RM.
Oh bah bien ça. Nice farm. Ton ulti peut empêcher Viego de prendre une âme s'il est hors de l'ulti. Yes. On peut pas sortir de la zone. Ah. Happy ex-drinker. Satisfait de l'achat, mesdames et messieurs. Oula. Très très satisfait de l'achat. Je recommande. Ah, il peut même pas venir normalement. Avec nos persos. Parfait. Elle a eu la haine là, Kali. Frère, je l'ai ulti deux fois, elle a fait ah ouais. Moi aussi. Oh, ça va pas toucher. Oh. Ok, c'est pas mal. Ça tempo, ça tempo. T'as une quoi, Zinker, de la résistance magique et un shield magique. Quand elle est assez low HP. Ok, non, ma team va pas vouloir défendre cette pink. On va pas la positionner. Pas maintenant. Red and base and play with me and enemy. Yep, yep, yep. On attend. 5 étoiles sur Amazon. Il est top. Non, bah pour la... Vu le monstre qu'elle a à Kali et que ça puisse temporiser son burst, c'est vraiment très, très important. Je joue droit au bonheur. Yeah. Ah oui d'accord. Bon, le kick est peut-être un poil overkill mais. Je vais handle mid en attendant je pense. Doublé. Le Akali doit être dégoûté. Merci VIP Master. Merci pour le prime. Aïe aïe. Votre équipe a détruit une tourelle. Ah, y'a un Veigar speed push. N'est pas prêt à tout sur League of Legends. Bah, je pense que c'est force de la mort maintenant. Hein. On va prendre double ping, ce sera mieux pour la game. Le challenger avant le, après le grandmaster sur LoL, c'est la, ouais, c'est la dernière étape. Mais bon, après, pff, pour y arriver, on est loin. Elle veut Toli, mais elle voit la Malmortius. Alors en vrai, j'avais besoin de ça. Hein. Pourquoi je grid un creep? J'en sais rien, mais je l'ai eu. J'ai peur de me faire all-in, perso. Ah. Il y allait ? Il a déjà quoi. Oh, je veux pas aller plus loin. Ah, la Malmortius elle met bien bien bien. Elle est vraiment rentabilisée la 5ème putain. Votre équipe a détruit une
Next nation is GG. Yes, yes, yes. Yes, my lord. C'est ce qu'on fait, ouais. By Pink Ward. Je suis désolé, mais pas lui. Coûte trop cher d'acheter des pinks alors que je peux avoir des trucs vraiment insane pour le teamfight, pardon. Ah oui, t'as serré les fesses. Oh, mais toute l'action, j'ai serré les fesses. Comme ça qu'on a good butt. Comme ça qu'on travaille. Un chronomètre est plus rentable. Ils nous ont bien bait en vrai, hein. Tu vois pourquoi j'ai bait. Oh non, 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 don't die, don't die, don't die. Oh, nice. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas bien. Oh, l'a déchiré. Non, 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 te fais pas bait, te fais pas bait. Te fais pas bait. Ça se voit là. Alors elle était vraiment en mode. Votre tourelle a été détruite. Aïe aïe aïe. La Akali elle est en 1v9 mission, genre vraiment. Attends, faut que j'aille. Je la midline moi. Ah bah c'est vraiment leur botlane est en 0-16 frère. C'est... Oh oh. Ah je peux pas... Rappi est un monstre hein. Je sais pas si ma TP aurait été intéressante là. Elle a fait un 2 pour 1, c'est monstrueux. Elle est level 16 elle. Oh, ça a touché quand même. C'est une russe. Il va la... Ouf. Ah oui, c'est vrai qu'elle est pas très bien nourrie. La Senna. Nice. Good call. Je l'ai vu qu'elle était en train de vouloir se poser. Se positionner, pardon, pour le Drake. J'avais senti qu'elle allait aller par ce bush. Baron plus que le Drake. En vrai, quatrième Drake, c'est free Baron. Ah, il voulait qu'on fasse les deux en même temps. My bad. Moi, un peu bébête, hein. Je suis un top laner. Hein. Après, je pense qu'on fait les deux, quoi qu'il arrive. Hein. Il y a le Jax en 1-8. Il est présent. Le Jax, il fait pas semblant, hein. Purée. Dire que le seul kill qu'il a, c'est moi qui ai int ma lane. Décevant. Attends, mais ce Drake est giga broken en plus. Bah, c'est win. Et... Oh, quoique c'était plus ténacité que j'aurais dû prendre comme pots. C'est plus des HP qu'il faut que de la D là. C'est le... Ouais c'est le Drake interdit hein. Attends j'ai combien de CDR? 76%. Enfin 73 et pas pourcent mais 73 de CD. C'est comme si j'étais à 42 par rapport à l'époque. Pas dégueu. J'ai pas eu envie de full commit j'avoue. J'avais un peu peur que... Ça ne se passe pas comme convenu. Ouais j'ai la TP mais... Est-ce qu'on va pas tout droit genre? J'ai pris un stop là. Et voilà on va tout droit, c'est ce que je pensais ouais. On va tout droit.
Let's go ça. Voilà, on aura gagné pas mal de LP aujourd'hui, plutôt que juste 7. Oh, Frappy a... En vrai, non, la Nami a été monstrueuse aussi. Frappy a été très bon, faut le dire. Et le Fizz, il est là. Comeback, mec, il était en 0-2-0. Enfin, moi aussi, en vrai, tu me diras. Enfin, peut-être même 0-3, je sais plus. T'as un comeback les enfers, mais heureusement que la botlane était forte, parce que on a vraiment trop mal géré en early. Hein. Et B. Solide. Hein. C'est quoi le calcul? C'est par rapport au stade de l'époque, Yahoo. Vu qu'ils avaient changé le système de la CDR, c'est pour te rappeler à peu près combien tu gagnes. Très belle game de Camille. Non, je suis mort en 1v1 par rapport à un joueur qui est pas très bon sur Jax. Enfin, qui est même nul en vrai, faut dire. Ah, c'est même pas un main top. Ah si, c'est un main top quand même. Mais c'est pas un main Jax, ok. J'aurais vraiment été en mode oh no. Oh non, non, non. Attends, le Vegar a flame et s'est barré. Non, tu es honteux. La laning phase, elle était très très bien. Et dès que je suis mort, c'est parti en cacahuète. Genre, après, je fais un autre mauvais move qui me permet plus de pouvoir tenir la lane. Et il freeze pendant 20 ans, ce qui était un bon call, n'empêche de lui, de sa part. Après, si notre mine n'avait pas été autant détruite de sa part, parce que c'était encore pire que moi sa lane, ma décale aurait été rentable. Mais malheureusement, la Akali pouvait 1v2 dès l'early game. Beau total de LP. Eh, ça travaille, hein. 6-6-9. On est 3, ça fait plaisir. Quand tu dis ton main, c'est combien de games sur le champion? Oh, c'est juste que la plupart de tes games sont sur le personnage.